Non, on dirait qu'on ne saisit pas. Le pouvoir là, bientôt ce serait pour nous. Merci, mais de ce qu'il s'agit, applaudissez pour vous-même. C'est vous les femmes extraordinaires. Elles sont celles qui sortent diplômées plus que les hommes des universités. Et les lois de la parité les incitent, les récentes lois de la parité les incitent à prétendre à des hauts postes. Mais quand elles arrivent dans le monde professionnel, dans le monde du travail, elles sont les premières à s'auto-limiter, à se victimiser. Et c'est dans ce sens que Constance Florence Sandy a constaté que nous nous heurtons nous-mêmes face à notre propre plafond de verre. Personne d'autre. La femme, c'est elle-même qui va se heurter face à son plafond de verre. Mais la bonne nouvelle ici aujourd'hui, c'est que on peut exploser notre plafond de verre. Et on va le réduire en miettes. Ouais, c'est de ce qu'il s'agit. Et c'est pour ça que je vais vous proposer 12 clés qui vont vous permettre de briser, d'exploser et de réduire votre propre plafond de verre. Et je pense que tout à l'heure, un autre chanteur, il n'est pas là, il est parti. Quand il chantait, ah ok, j'ai entendu un mot. Il a dit quelque chose avec le verre, plafond de verre. Et je me suis dit, ah donc, il y a la connexion qui est là, il y a la synergie qui est là, on se complète. Et quand Madame Leslie, tu parlais, je lisais Rosa Sparks, mais je pensais que tu allais faire attention. Mais tu as loupé ça. Je voudrais que l'on se souvienne de moi comme une personne qui voulait être libre pour que d'autres le deviennent aussi. D'héritage en héritage. Très bien.